Bonjour, bienvenue sur les boîtes noires du musicien. Je vais aujourd'hui vous présenter la mise à jour 1.10 du PA5X de chez Korg. Avant toute chose, il faut bien sûr télécharger la mise à jour de l'OS pour le PA5X. Je vais sur mon ordinateur, je vais sur le site korg.com et j'ai tout de suite un encart qui est dédié à cet OS, PA5X OS Update 1.10. Je clique dessus, je vais tomber sur une page qui va me permettre de charger directement. Je clique dessus, je vais avoir une nouvelle page qui va me permettre d'aller chercher le tout dernier OS, PA5X Operating System. Vous allez le télécharger directement sur une clé USB. Avant tout, éteindre le clavier. Mettre la clé USB avec bien sûr la version qui se trouve à l'intérieur. Je rentre ma clé. Avant de le rallumer, je vais laisser mon doigt sur Intro 1. Je l'allume. J'attends, allez, 10 secondes. Automatiquement, une page va s'ouvrir avec System Update inscrit. Voilà ma page. Cette page, je fais bien sûr OK. Je vais sélectionner Passe sur le disque qui est marqué d'origine et je vais aller chercher ma clé USB, donc la petite flèche sur la droite qui me permet d'aller sur la clé USB. Automatiquement, je vais avoir ce que je lis sur ma clé et je vais avoir le PA5X Operating System 1.10. Je choisis mon Operating System, je fais Open, il me dit que je suis bien sur la nouvelle version et là je fais Sélection. Et en appuyant sur Sélection, vous chargerez bien sûr cet OS qui se fera directement sur le PA5X. Suivez les instructions qui sont écrites à l'écran parce qu'il faudra bien sûr l'éteindre et le rallumer. Et là, il refera une réinitialisation complète du PA5X. Maintenant, faisons un tour sur ces nouveautés sur cette version 1.10. Nous allons commencer déjà par les styles. Vous savez qu'on peut mélanger deux styles, sauf que la synchro est souvent un petit peu compliquée. Là, aujourd'hui, vous allez pouvoir très facilement synchroniser les deux. Prenons l'exemple. Je suis sur mon premier player où j'ai pris une bossa nova. Je suis à une vitesse de 122. Sur mon deuxième player, je suis sur un disco, mais avec une vitesse de 116. Là, il va y avoir un petit problème de synchro de tempo. Il y a un bouton Tam Tempo qui me permet ici de pouvoir loquer en fin de compte les deux tempos en même temps. Regardez à l'écran, en appuyant dessus, je vais synchroniser les deux tempos en même temps. Ça, c'est déjà très simple à faire. Maintenant, si je lance ma bossa nova, qui est ici, je peux maintenant lancer mon disco n'importe quand parce qu'il va se remettre automatiquement sur le premier temps. Je prends l'exemple, là j'appuie et à partir du premier temps, il se synchronise. Et je vais pouvoir facilement synchroniser les deux styles en même temps. Deuxième chose qui est aussi très intéressante, c'est ce bouton mixeur. On l'avait bien sûr déjà sur la première version, sauf qu'ils se sont dit chez Korg, ça serait bien de l'avoir en direct. Et c'est franchement très 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 bien. J'appuie sur le bouton mixeur et là je vais avoir ma table de mixage qui va me permettre de gérer mes volumes de mes arrangements. Ça veut dire que je vais avoir mes 8 pistes, basse, batterie, percussion et 5 accompagnements. Et je vais, avec le petit bouton qui est sur le côté, avoir aussi les volumes, les panoramiques, sur mes pads et sur ma main droite, sur mes 3 Upper. Tout ça, encore une fois, sur la même page de mixeur qui se trouve en fin de compte ici. Et ça, c'est vraiment intéressant. Après vous avoir présenté le mixeur, je vais maintenant vous présenter les 4 pads. Alors, vous allez me dire, oui, les 4 pads, je les avais déjà sur la première version. Oui, sauf que là, chez Korg, ils ont changé énormément de choses. Alors que maintenant, quand j'appuie sur un pad, je vais automatiquement avoir toute la liste de mes pads. C'est-à-dire que je vais avoir toutes les familles, piano, guitare acoustique, effet, synthé, ainsi de suite, que je vais pouvoir chaîner, bien sûr, directement sur mon pad. Autre nouveauté sur cette version 1.10, le bouton menu où je peux maintenant ouvrir une page qui s'appelle Drum Editor, qui va me permettre de travailler, en fin de compte, ma structure rythmique, batterie.
Et ça, c'est très intéressant parce que je vais pouvoir régler chaque instrument avec un volume différent, un EQ différent, un decay, et ainsi de suite. Tout se passe directement au doigt et bien sûr sur l'écran que vous avez en face de vous. Encore une fois, on veut gagner du temps et avoir, si j'ai envie de changer ma caisse claire sur ma rythmique, je me dis, ma rythmique est très bien, mais ma caisse claire, bon, j'aimerais bien la changer. Ben là, maintenant, j'ai une page qui est dédiée et c'est très, 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 très rapide. Dernier point sur cette version 1.10, si je choisis, mettons, un arrangement, je reste sur, mettons, ma bossa nova, j'appuie sur bossa nova. Là, il me donne, bien sûr, toute une liste de rythmique. OK, c'est une configuration qu'on connaît depuis très longtemps chez Korg. Mais là, ils ont été plus loin. C'est-à-dire que je peux, en appuyant sur Show as List, pouvoir changer en fin de compte ma configuration et je vais pouvoir l'avoir en liste complète. Ça veut dire que je vais avoir un chaînage de toutes mes rythmiques. Donc, je n'ai pas besoin en fin de compte de rentrer dans des sous-pages. Ça se passe directement sur l'écran. Eh bien, merci de m'avoir suivi. Bien sûr, il y aura d'autres OS qui vont arriver dans le temps. C'est l'avantage avec Korg d'avoir en fin de compte d'updater le clavier et c'est à chaque fois gratuit. À bientôt.